Salut tout le monde, c'est Wolf Egon, soyez les bienvenus sur la chaîne Game & Wolf pour Ori and the Blind Forest. C'est un let's play que je vous propose sur la chaîne, mais ne vous attendez pas à ce que je sois aussi dynamique, aussi dans le nid d'hirondelle, dynamique, un peu foufou, comme on peut voir dans certains let's play. Là, c'est de la poésie à l'état pur, un vrai bonheur. Je vous laisse profiter, je vais pas en faire trop, profiter juste de la magie de ce jeu. J'espère que ça vous donnera envie d'en profiter aussi. Alors, nous voici dans la forêt. Et voici Nara. Là, il y a de quoi se régaler. Thank you.
Pour la précision, c'est moi qui suis en train de déplacer le personnage. On a tellement envie de le protéger. Bien, Ori a retrouvé des forces. Je suis assez ému, hein, je vais pas vous mentir. Je pense que faut vraiment être très insensible pour ne pas succomber au charme de cet univers. C'est enchanteur, c'est... Voilà. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment besoin de trop parler. Je suis très content de revoir cette petite boule lumineuse... avec davantage de vie. Je pense qu'il faut passer par la gauche. Il va drôlement vite. Ah, il faut maintenir space pour sauter plus haut. D'accord. Nous voici dans les clairières englouties. Bien. Allez.
Ah, tiens. Faut maintenir. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. Olé, aïe, ça fait mal, j'ai perdu déjà, je sais pas trop ce que c'est, des espèces de choux de vie. J'ai perdu un point de vie sur les trois en tout cas. Donc il va falloir que je fasse très attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Olé, d'accord. Ok, bon, bah ça c'est fait. Donc je ne peux pas passer par là, il faut que je fasse très attention. J'ai maintenu, je l'ai maintenu pourtant, Space. C'est ce que je fais. Alors attendez, on va passer dans les options, commande. Space, c'est bel et bien pour sauter, je suis bel et bien en AZERTY. La flamme spirituelle, je frappe. Non, tout va bien. Alors, voyons voir. Bon là c'est sûr je peux pas passer. Est-ce que je peux passer par en dessous? Oui bah bien sûr. Si j'avais lu ce qui était écrit, je voulais pas l'avouer, je n'avais pas eu le temps de lire. Je m'étais tellement intéressé au graphisme du jeu que je n'avais pas pris le temps de lire le message. Je ne vais pas refaire la même erreur deux fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je ne peux rien faire pour le moment. Si ce n'est sauter. Oh! J'ai trouvé une cellule d'énergie. Je peux à présent récupérer et consommer plus d'énergie. Je peux utiliser cette ressource pour créer un lien d'âme et sauvegarder ma partie. Appuyez longuement sur E pour créer un lien d'âme et sauvegarder la partie. Bon, bon. Partie sauvegardée. Donc la sauvegarde, voilà, ça dépend de ce lien d'énergie, donc il faudra garder cela en mémoire. Donc, voilà. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Non, je ne peux pas encore m'accrocher, on verra bien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Olé. Oh. Wow, 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 wow. Et de la lumière spirituelle. Je dois remplir la jauge pour obtenir un point de compétence. D'accord. En tout cas, on l'a bien évité, cette espèce de petit rhino. La flamme spirituelle, je dois faire plusieurs figures. Oh. Un fragment d'énergie. Il régénère la puissance des cellules d'énergie dorée. Bien, donc pour attaquer, flamme spirituelle. Dégage, toi, je te laisserai pas toucher à mon Ori. Ah, tiens, encore quelque chose. Tu as trouvé un petit brasé de lumière spirituelle. Ta jauge s'est remplie de lumière spirituelle. Trouve-en d'autres pour obtenir des points de compétence plus rapidement. Parfait, premier point de compétence. Créer un lien d'âme et appuie sur E pour ouvrir les compétences.
J'ai créé mon lien d'âme et maintenant j'appuie sur E. Cette barre représente la quantité de lumière spirituelle récupérée par Ori, absorbe-en 43 pour obtenir, enfin 43 de plus, pour obtenir un autre point de compétence. Alors, Braise permet d'utiliser les liens d'âme et réduit le temps de recharge. Aimant spirituel, la plupart des objets à récupérer flottent vers Ori. Et enfin, salve de flammes permet de lancer 3 flammes avant de devoir recharger. Alors, on peut choisir soit la sauvegarde, soit l'aide à la collecte, soit l'attaque. Je pense qu'il vaut mieux privilégier l'attaque pour l'instant. Compétences acquises. Voilà, donc toutes ces compétences-là, elles nous attendent. Parfait. Je suis content de le voir courir comme... Olé ! Olé ! Ça c'est fait. Allez, va-t'en. Non ! J'ai pas eu mon... Mais non, sois pas injuste. Bosquet creux. Alors, légende. Parcourir, retour. Bah pour l'instant, je peux pas parcourir grand chose. Moi, je suis là. Trouver l'arbre aux esprits. Bien. Donc ça, ce sont toutes les compétences, événements mondiaux, statistiques. Cette valeur correspond à la surface de Nibel déjà découverte par Ori. Donc Nibel, j'imagine que c'est le territoire, le continent sur lequel nous sommes. Ça, c'est le nombre de réapparitions d'Ori grâce à un lien d'âme. D'accord. J'imagine que c'est le nombre de morts. Les cellules de vitalité, donc les espèces de choux, j'appelais ça des petits choux verts, ce sont donc des cellules de vitalité qui permettent de stocker plus de vitalité. Trouve-en d'autres pour accroître tes chances de survie. Les cellules d'énergie permettent de stocker de l'énergie que je peux ensuite consommer. Je ne dois pas oublier que je peux utiliser cette ressource pour créer un lien d'âme et sauvegarder ma partie, on l'avait vu. Et enfin, les cellules de compétences à dépenser. Allez, continuons. Ah, on peut appuyer sur Tab pour consulter la carte. Ok, ça se débloque. Et il faut se rendre ici. On a découvert 18% des clairières englouties. Le syndrome de la petite noisette coincée. Oula. Bon, prenons un peu d'élan. Et on saute. Ah ! Ouh, c'était juste. Ah, attendez. Ah, c'est génial. Un éclat de vitalité. Récupère-en pour régénérer ta vitalité. C'est nickel. Et ça ? Bon. Eh hey. Cool. Et ça? Oui. Je ne savais pas du tout que je pouvais récupérer des choses. 10 points de compétence. Bah attendez, du coup, on va détruire cela. Hein, qu'est-ce que c'est que ça? Non. Et ça? Donc apparemment, tout ce qui a une espèce de petite lueur violette, c'est un ennemi. On peut retourner de l'autre côté, on se redirige vers la droite, scrolling habituel. Ah. Et ça, ce n'était rien d'autre. Wow. Oh, 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 ouch. Ah, c'est tombé. Voilà. Parfait. Quelques points de compétence en plus. Oh. Ah, on peut rebondir là-dessus? D'accord. Ah.
Très bien. Ok. Alors je détruis ça si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je récupère tout ça, mes points de vitalité, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Appuie sur le clic gauche pour activer ce puits aux esprits et sauvegarder ta partie. Bien. Très très bien. Le lien d'âme est prêt. C'est pas tout ce que c'est ça. Je peux pas sauter. Bon, bah écoutez, pour l'instant je peux pas me rendre là-bas. Et voici. Vous voyez, il y a une espèce d'aura rose, rouge autour de l'ennemi. J'ai mon lien d'âme. Ah, il y a un petit secret par ici, j'ai l'impression. Oui, effectivement. Un point de compétence supplémentaire. Partie sauvegardée et maintenant les compétences. Bien, donc les braises ou un aimant spirituel. Ici on va avoir besoin de la flamme étincelante. Allons-y pour l'attaque pour le moment. On sera bien plus en forme pour affronter les ennemis. Moi je veux protéger cette petite boule lumineuse. Et je le ferai. Il sera plus puissant. Il est déjà hyper mignon alors. Hop. Je peux sauter par ici. Je peux pas se... Ouais. Bon. Voilà. Comme ça. Et là, on peut bien la voir, cette aura violette, rouge, rose, un petit peu. Très jolie couleur, mais symbole d'animosité, de malice, symbole du mal. Oh, bien, allez, ne tombons pas, pas d'erreur. Voici une pierre clé. Les pierres clés permettent d'ouvrir des portails aux esprits. Chaque portail aux esprits nécessite un nombre de pierres clés précis. D'accord. Alors, où sommes-nous? Il faut continuer de ce côté-ci. Apparemment, ici, il y a quelque chose à découvrir. C'est vraiment sublimissime quoi. Attendez, je crois que c'est ici en fait qu'il y a quelque chose à découvrir. Je ne sais pas trop pourquoi. Ah non. Bon, ici je ne peux pas descendre. Donc ce n'était... Non, c'était pas ici. Et était-ce là? Non plus. Ah oui, et je l'avais pas, je n'avais pas. Ah, purée. C'est ridicule. Vous êtes fait mal, tout ça pour ça. Oula. Ce portail aux esprits nous barre le chemin. Les structures avaient été créées pour nous protéger avant le déclin. D'accord. Il va falloir que je fasse très très attention, je n'ai plus qu'un point de vie. Si je me fais toucher, c'est la mort. Shift pour saisir des objets et les déplacer. Voilà. Oh, c'est pas possible!
Mais c'est pas possible. J'ai pas été mauvais à ce point quand même. Et là, il faut que je récupère encore la pierre aux... Non, la pierre clé, je l'ai perdue. Purée. Il semblerait que j'ai perdu ma pierre clé. J'ai récupéré un point de vie, ce qui n'est pas négligeable. Parfait. Allez, c'est parti. Et il y a une autre pierre clé ici. Et de deux. Pour continuer, il faut bien que je saute. Bizarre pourtant. On m'a dit d'appuyer longuement sur la barre d'espace. C'est ce que je fais, hein, j'appuie sur la barre d'espace. Mais c'est pas ça qui va m'aider à sauter plus loin. Vous voyez, je tombe à côté. Donc il y a quelque chose que je devrais savoir, mais quoi? Hop. Alors j'appuie longtemps. J'appuie longtemps sur la barre d'espace. Je cours et je saute. Non, ça marche pas. Alors, il doit y avoir quelque chose que je n'ai pas bien compris. On se retrouve donc dans le menu. Clavier et souris, flamme spirituelle, parcours. Ok, bah vous savez quoi, les amis. Je trouve la solution, je vous retrouve dans un épisode d'Ori and the Blind Forest pour une nouvelle découverte. Tout comme moi, personnellement, je suis convaincu, j'espère que vous aussi. Si vous avez envie de faire le jeu, mais que vous n'avez donc pas envie de regarder le let's play, je peux tout à fait le comprendre. On a fait que le début du jeu, libre à vous de ne pas regarder la suite. Là, pour le coup, je ne vais pas vous forcer à regarder les épisodes. Je peux tout à fait comprendre, mais je voulais absolument partager cette aventure avec vous. Une fois que vous aurez avancé, vous pouvez continuer de regarder les épisodes. Faites comme bon vous semble. Moi, de mon côté, je vous souhaite un excellent visionnage des prochains épisodes si vous êtes toujours là. Merci beaucoup d'être avec moi et à très bientôt sur Game & Wolf. Salut!